vivono a Sturio, contra le prudenze, fratelli di Suento, chi porta le speranze, di buon culo corso e non sono le sostanze. Non fa tua scelta, di coppa per domani, ma c'è lì di notte, con teme non arcane, all'ollo di Amaggia, quando usa rizza mare, stendono un luogo per su d'altre montagne. A pogliergli la mano e simmo 100.000 e un po' brusano quando fiorisce a Maggia all'entre di Dobrano a costruirla bene e subina l'urano soelle simonori maggiaio le cappiani e ancora mai spente da stagli allo messaggio in lettere di volo al lumese di maggio quando la turchina comincia lui a io senza mai stanciare mai riviata combattenti d'onore di santa libertà parecchi sono spariti a un fiore di redà surgente acqua linde di l'ovio monità parecchi sono spariti a un fiore di redà gente a guarinde di luvio. Qui sont en train
de saluer les bus. Bon, écoutez, on va les laisser faire. Tu nous les présentes. Ah, on a Douvet qui nous a rejoint également. Merci, monsieur le président, monsieur Boutin, le président de l'Assemblée de Corse, qui se reconnaît sur le mondial. Suivi de monsieur le maire, bien sûr, Gilles Simeon, le vrai grand ami, que je félicite encore une fois. Ensuite, nous avons un élu. Du président du conseil général, tout nouveau président du conseil général que l'on peut féliciter, et monsieur Gandolf Hichet qui est député de la Haute-Corse, le maire de Libourg, et monsieur Zuccari, le président de la DEC, membre de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Voilà. Merci Carlo, on connaît bien sa leçon. Également, on peut remercier monsieur l'adjoint au maire d'Ajaccio, qui est élu dans le domaine sportif, notamment, et qui a fait le déplacement d'Ajaccio pour suivre l'épreuve, qui est également là sur le podium, monsieur Castella. Merci Carlo. Dès que les courants sont prêts, évidemment, on va leur accorder la priorité. J'allais me déplacer auprès de Doumé. Tu reviens à Doumé, hein, je voulais t'entendre. Voilà, Thomas Boulan est en train de me rejoindre. On va voir également le classement des grimpeurs et le classement des sprints intermédiaires. Vous allez récupérer les élus, vous pouvez signer évidemment dès que les coureurs sont là, puisque vous savez, on va leur accorder la priorité, même s'ils vont avoir l'enfant 24 heures de repos à un moment donné sur le critérium international. Monsieur le maire, encore faites magnifique, hein, c'est vrai que c'est vous qui savez, vous les gâtez quand même, hein, avec le Tour de Corse amateur, le Tour de France, et puis la Classica Corsica. Oui, on salue les coureurs qui franchissent à l'instant la ligne d'arrivée. Voilà, la saison est longue, hein, ces coureurs-là, ils seront en forme un petit peu plus tard. C'est vrai que vous les gâtez, vos amis de Bastia et vos amis corses. Oui, salut à toutes et à tous, monsieur le député, monsieur le président du conseil général, monsieur le président de l'Assemblée des Corses, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. C'est vous qui nous gâtez. On a eu de la chance avec le temps, on était un peu inquiets. Nous sommes heureux de recevoir ces coureurs, cette organisation. Je salue, tenga saluda à notre ami Domenico Brodi, qui dit l'anima di sta Corsa. A fini di dati di me e a ringraziati di voi. Merci a tutti e a tous de votre présence. Merci, monsieur le maire. Je vais vous laisser passer le micro à un autre élu, puisque je n'ai pas visualisé encore tous les élus ici sur le podium. En Corse, il y a plus de lui que de lecteurs. Le président de l'Assemblée de Corse, Domenico Brodi. Qui passe le guidon à mon sort, là. Salut à tous, c'est en effet un moment de plaisir, l'arrivée de cette course à Bastia, une belle course, vous avez bien fait de choisir notre région pour une si belle compétition, on souhaite vous revenir aussi longtemps que possible, en tout cas on vous reverra avec autant de plaisir, merci. Je laisserai peut-être la parole au président de l'Assemblée de Corse au nom de l'exécutif pour vous dire que nous sommes très heureux que cette compétition puisse être organisée en Corse. Après le Tour de France, on prend, je dirais, on poursuit sur la lancée avec le cyclisme. Dans cette période de l'année, je crois que c'est très bienvenu pour la Corse, pour faire découvrir la Corse et pour renouer avec une tradition de Bastia que nous connaissions en étant de ces compétitions cyclistes, donc bravo à tous les organisateurs et encore merci. Merci tout d'abord à M. Gauz et aux organisateurs de ce Tour de Corse. Effectivement, il nous mérite énormément que vous l'applaudissiez une bonne fois pour toutes encore. Et encore merci pour tout le monde parce que Bastia a accueilli ses coureurs. Bastia accueille la plupart du temps toujours les sportifs avec cette excellence. Encore merci à tous. Je laisse la parole à M. Dominique Pi, le président de l'Assemblée de Corse. Bon, bonne à tous. Sono un tantito a Bastia, vi posso stimare ma io volevo. E hai mi scommesso perché mi zaona più io a diventa scommessa dicendo da la più a Bastia era impossibile che tu piovi in Bastia, ma non piovi mai. Dunque
très content de me trouver ici et je vais excuser le président du conseil exécutif qui était retenu par des impératifs. Je le remplace bien sûr avantageusement et j'espère que l'année prochaine on pourra continuer de cette manière-là. Alors, vie à Bastille. Je vais vers toi, mon cher Doumé, puis tu vas parler en dernier, même si le protocole voudrait que tu ne parles pas après les élus. Mais Doumé, ici en Corse, c'est lui qui parle ici en dernier. Monsieur le maire d'Ajaccio, nous étions tout à l'heure à vous remplacer, à vous représenter la mairie d'Ajaccio. Alors, bon, on va dire comme ça, monsieur Castellana, on va vous écouter. Vous avez eu un départ somptueux dans un lieu absolument, on va dire, mythique, hein, pour quelqu'un qui vient du continent. Il y en avait pas mal aujourd'hui. Je crois que le lieu était vraiment bien choisi. Effectivement, nous étions dans la cité impériale, donc il était normal que le départ se passe au Cazone. Alors, l'année prochaine, on attendra l'arrivée avec nos amis Bastiais, comme on est monté aujourd'hui les rencontrer. On souhaite bonne vie aux organisateurs et on les remercie pour cette magnifique épreuve qui s'est bien déroulée. Il n'y a eu aucun problème, sauf une chute du côté de l'Uvario où ça va habiter. Donc voilà, merci aux organisateurs et à l'année prochaine. C'est un sacré pari hein, que vous avez tenté avec les bénévoles corse, organiser cette course prestigieuse, la Classica Corsica. Oui, bien sûr, c'est pas l'émotion, c'est un peu la fatigue, parce que quand même, mine de rien, il y a 1500 personnes à gérer, la sécurité, police, gendarmerie, des villes traversées. Voilà, c'est des mois de travail pour arriver à ce résultat-là. Donc moi, bon, je crois que tous les maires ont dit l'essentiel, mais je voudrais remercier tout le monde. L'association Corsica Tours qui a fait un travail merveilleux, les bénévoles de chez nous. Comme quoi, vous voyez, en Corse, avec une association loi 1901, on arrive à faire des choses extraordinaires à Yente et Milmo. Donc voilà, pour notre jeunesse, aller de l'avant et avec un peu de courage et de volonté, on arrive à faire beaucoup de choses et à montrer au monde entier notre savoir-faire. C'est ça le message. Voilà. Donc moi, je voudrais remercier la mairie d'Ajaccio qui a fait un travail extraordinaire. La collectivité territoriale, bien sûr, la mairie de Bastia, qui a fait beaucoup de travaux sur l'arrivée, qui a refait la place, une partie de la place Saint-Nicolas pour permettre une arrivée, qui a fait sauter trois dodanes pour l'arrivée finale et un investissement. Il y a eu vraiment une entente cordiale avec tout le monde, la police, la gendarmerie, les coureurs qui sont venus du monde entier pour une première. Je vous rappelle quand même qu'on a le deuxième Tour de France, le troisième Tour de France pour la première année, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, je voudrais remercier tout le monde et puis si Dieu veut, à l'année prochaine, je vous rappelle à tous. Dominique Boisil, votre vice-champion du monde hein, du contre-la-montre et puis. Également donc grand professionnel dans cette belle équipe Casino. Extraordinaire progression, juste un mot là-dessus. Vincent Lavenu, tu as été un de ses premiers coureurs dans l'équipe Casino. Il a maintenant l'une des plus belles équipes du monde. En tout cas, il avait la meilleure équipe du Tour de France. Chapeau, monsieur Lavenu. Complètement. Hein, déjà, à l'époque, avec Casino, on avait la meilleure équipe du monde. Et maintenant, il a encore bien travaillé. Tant mieux pour lui. Modeste, hein, à l'époque Casino, ouais, c'était vraiment le tour de vue. Merci. Merci. Mais écoutez, on a trois titres nationaux sur piste sur le dernier championnat de France à Saint-Quentin en Yvelines. Il avait terminé quatrième des championnats d'Europe sur route. Thomas Bouda devrait nous apparaître maintenant. Attention le public, le bestia, le coureur de l'équipe de Jean-René Bernardon et qui fait le tour de repère. Son nom sur la première ligne du palmarès de la Classica Corsica, Thomas Bouda, ce jeune pistard qu'il vous a montré aujourd'hui, qu'il faudra compter sur lui également sur la route. Il remportera un superbe succès. Vous êtes prêts, mesdames et messieurs, tous ensemble, attention, Thomas Bouda! De M. Bernès et lui également qui veut féliciter le vainqueur de l'équipe. On retient sur la bien place.
pas d'entendre les félicitations des élus. Voilà donc Thomas Boudin qui débute fort bien la saison 2015. Ah, il n'arrête pas, il a été brillant sur la piste de Saint-Gaudens. Très content, c'est ma première victoire chez les professionnels. Voilà, j'étais dans une période où je doutais pas mal et tout ça, et cette victoire permet de bien me relancer pour la suite. Voilà, tu es parti pour une grosse saison sur route, toi qui es connu pour être un très très bon pistard. Oui, j'ai directement enchaîné après les championnats du monde sur la saison route. Les débuts ont été un petit peu difficiles, j'ai couru en Belgique, c'était pas des courses. Très facile pour mes débuts, mais j'ai pu m'exprimer avec cette arrivée au sprint et je suis vraiment content d'avoir pu gagner ici devant tout ce public. Et voilà, c'est important pour moi, pour la suite et pour l'équipe aussi, pour l'année prochaine, pour essayer de retrouver un sponsor, sachant que Rockers s'arrête. Est-ce que tu viens régulièrement en Corse? Non, c'est la première fois que je viens ici. Tu veux l'entendre dire? Ouais. Très joli, même si il a plu une bonne partie de l'étape. Après, on a eu le soleil pour arriver, donc c'était parfait. Tu vas enchaîner avec le critérium international? Ouais. Et après? Et après, je vais faire la route à Delhi, circuit de la Sarthe, beaucoup de Coupes de France le mois prochain. Voilà, et puis après, la piste, toujours la piste? Oui, je reviendrai sur piste cet été avec les championnats d'Europe. Puis après, ça recommencera cet hiver avec toutes les manches de Coupe du Monde pour pouvoir se qualifier pour les JO. Tu nous rappelles juste ton âge? 21 ans. 21 ans! Voilà, coureur, bon, vous allez entendre parler. Thomas Boudin, mesdames, messieurs! Alors, nous allons, si vous voulez bien, mon cher Dominique Bosley, accueillir le deuxième. Il nous vient de Nouvelle-Zélande. Nous accueillons Shane Asbold. Thomas. Voilà donc le coureur de l'équipe allemande Boragon 18. Voilà qui va recevoir. Il y a un trophée également, mon cher Doumé, pour le deuxième. Non, c'est juste pour constituer le podium ici. Le troisième est un Italien d'une superbe équipe américaine. On accueille Daniele Ratto. De Lombardie chez les espoirs, donc troisième Daniele Ratto, et nous avons également avec nous là sur le podium le néo-zélandais Shane Asbold, vice-champion du monde sur piste, 8e des Jeux Olympiques de Londres, vainqueur d'étape sur le Tour d'Irlande et sur la Mule Bretonne, le magnifique podium, Thomas Boudin, Shane Asbold et Daniele Ratto. Bastia salue donc le podium de la Classica Corsica. Voilà, elle avait terminé 21e du classement général du Tour d'Espagne. Elle a gagné le Tour de Taïwan, le Tour de Bulgarie. Elle avait remporté cette difficile, magnifique étape sur Paris-Nice. L'ovation donc pour le coureur du team Marseille 13, KTM, Rémi Di Gregorio. Voilà, d'où même
Liégeois pendant que vous réalisez quelques clichés. Dans le deuxième col, les meilleurs du monde ont attaqué, vraiment ce qu'ils voulaient gagner. Donc le prix de première, la classique à Corsica, je pense que c'est de bon augure. Nous avons un beau podium, du monde en arrivée. Allez-y, vous êtes sur la première du podium. Voilà, allez, là c'est leur protocole, voyez, c'est le petit sourire d'après course, même s'il y a une bonne sourire tout au long de la journée, de la veste, les hôtesses, les cadres, les organisateurs et les partenaires de l'épreuve, on va saluer tous les bénévoles de cette classica. Moi j'ai aperçu Verso d'altre montagne. Si tu è soeo, a foglia di la maira, e un po' lusano, quanto altre di dobrano, a costruì la mano. Soelle si moragni, giacule mai spente, da lettere di fogo, al lume se li china, comincia lui a io. Parecchi sono spariti a un piano di l'età, sufficiente acqua linde di dubbio monità. Parecchi sono spariti a un piano di l'età, sufficiente acqua linde di dubbio monità.